Alléluia. Le frère va lire pour nous. A brother will read for us. Marc chapitre 11 verset 22 à 24. Mark chapter 11 verse 22 to 24. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Amen. Tu peux amener à l'existence par la parole. You can bring into existence through the word. Ta parole proclamée au nom du Seigneur Jésus. Your word proclaimed in the name of Jesus. Ta parole proclamée au nom du Seigneur Jésus peut déplacer les montagnes. Your word proclaimed in the name of Jesus can move mountains. Peut ouvrir les rochers pour que l'eau coule. Can open rocks so that water comes out. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas maudire quelqu'un. That is why you should not curse anyone. Parce que ça va s'accomplir. Because it will be accomplished. Ce soir, c'est pour bénir et pour bénir. This evening, it will be to bless and to bless. Bénir, bénir et bénir. Bless, bless and bless. Amener à l'existence. Bring into existence. Et prendre de l'existence et mettre dans le néant. Dans le néant. And take from existence and bring into naught. Par ta parole. By your word. Tu proclames ce que tu crois. You proclaim what you believe. Lis pour nous 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Read for us 2 Corinthians chapter 4 verse 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Les prophètes parlaient parce qu'ils croyaient. The prophets spoke because they believed. Quand vous voyez Élie faire descendre le feu, il croyait à ça. When you see Elijah bringing down the fire, he believed in it. Quand tu crois, when you believe, tu parles. You speak. Il est dit que nous avons le même esprit qui animait les prophètes, le même esprit de foi. He says we have the same spirit that was in the prophets, the same spirit of faith. Ils croyaient et ils parlaient. Nous aussi, nous croyons et nous parlons. They believed and they spoke. We too, we believe, so we speak. Pas de doute, pas de doute, pas de doute. No doubt, no doubt, tu es no doubt. Enfant de Dieu. You are a child of God. Lisons encore Ephésiens chapitre 1. Let's read Ephesians chapter 1. Verset 3 à 14. Nous ne sommes pas n'importe qui. We are not just anybody. Nous ne sommes pas de n'importe qui. We are not just any kind of people. Nous sommes les vrais enfants de Dieu. We are true children of God.
engendré par la parole de vérité. Birth by the word of truth. Dieu a parlé, il ne peut pas se repentir. God spoke and he cannot repent. Commence la lecture. Vous écrivez dans vos cahiers en Christ. Write in your book in Christ. Et ensemble, on va découvrir ce que nous sommes en Christ. Then you read for us what we are in Christ. Même si tu connais, écris comme si tu n'as jamais écrit ça. Even if you know it, write as if you have never known it before. Allons-y. Éphésiens chapitre 1, versets 3 à 14. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il dit que en Christ, Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Note that in Christ, God blessed us with all kinds of spiritual blessings in the heavenly places. Continue. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Alléluia. Alléluia. En Christ, tu es Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles. You write that in Christ, God elected us for the foundation of the world so that we be holy and irreproachable. Si tu rencontres un enfant de Dieu, if you meet a child of God, qui est incapable, who is incapable, de haïr le péché, to hate sin, qui est incapable, who is incapable, d'imiter Jésus-Christ, of imitating Jesus, il n'est pas un élu. He is not an elect. S'il dit qu'il est un enfant de Dieu, if he says he's a child of God, et qu'il n'y a pas de haine du péché, and there is no hatred for sin, non, il veut te tromper. He wants to deceive you. Parce que because nous sommes élus, because we were elected, depuis la fondation du monde, from the foundation of the world, pour être saints, irrépréhensibles devant Dieu, to be holy and without blame before God. Dans l'esprit de Dieu, in the spirit of God, quand il appelle en Christ, when he calls in Christ, c'est pour que tu sois saint. It's for you to be holy. Tu ne peux pas être le contraire. You cannot be the contrary. Tu verras que quand tu es un vrai enfant de Dieu, you see that when you are a true child of God, si tu fais un plan pour rétrograder, even if you have a plan to backslide, le plan va échouer. The plan will fail. Et chaque jour, and every day, c'est comme si tu vas mourir mais tu ne meurs pas. It's as if you die but you will not die. C'est comme si tu vas rétrograder mais tu ne rétrogrades jamais. As if you backslide but you don't backslide. Il est dit nous sommes comme mourants. Nous sommes regardés comme mourants mais nous sommes toujours vivants. It's, the Bible says it is as if we are dying but we still stay alive. Persécutés mais non réduits à l'extrémité. Persecuted but not crushed. Si bien que les gens se demandent quelle est cette force qui les anime, ça vient d'où? Une fille m'a appelé dit parce je veux te voir. Nous j'étais en classe de seconde. Elle dit je veux te voir. Such that they ask what kind of power is in them. A girl called me and told me I want to see you. At that time I was still in high school. Quand elle est arrivée, when she came, elle dit je ne sais pas. She said I don't know. Là où tu me vois, where you see me, je me suis retrouvé dans la chambre d'un garçon. I found myself in the room of a boy. Je me suis échappé de justesse. I just escaped narrowly. Je suis tenté. And I'm tempted. Les pensées de mon cœur. The thoughts of my heart. Mais vous faites comment? How do you do it? Est-ce qu'on vous donne un comprimé? Do they give you some drugs? Pendant qu'elle parlait, j'étais en train d'être rempli. When she was speaking, I was being filled. Je voulais qu'elle arrête, que je lui donne la réponse. I just wanted her to stop so that I can give her the answer. Alléluia. Hallelujah. Elle ne faisait que parler, je supportais. She was speaking and I was bearing it. Dès qu'elle a marqué une pause, j'ai dit c'est Jésus. When she paused, I said it's Jesus. Acclamons. Let's clap for Jesus. Élu. Elected. Depuis la fondation du monde. From the foundation of the world. Dieu n'a pas de faux projets. God does not have false projects. Dieu n'a pas de projet imparfait. God does not have imperfect projects. Élu. Elected. Pour être séparé du mensonge. To be separated from lies telling. Ça ne peut pas être le contraire. It cannot be the contrary. Tu verras que l'an prochain, tu ne seras pas comme tu es aujourd'hui. You will see that next year you will not be as you are now.
La Bible dit que nous allons de gloire en gloire. The Bible says that we go from glory to glory. De progrès en progrès. From progress to progress. Si tes ennemis campent quelque part. If the enemy stand somewhere. En disant attendons, il va s'essouffler et puis on va attaquer. Ils vont vivre là jusqu'au retour de Christ. And they say let's stand here, you'll be tired. They will stay there until Christ returns. Ils se sont mis en prison. Because they have put themselves in prison. Parce que tu ne seras pas faible. Because you will not be weakened. Le Saint-Esprit est là. The Holy Spirit is there. Vivifiant. Enlivening you. Continue. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, fini. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Frère, c'est une doctrine clé dans les Saintes Écritures. This is a key doctrine in the Holy Scriptures. Que nous sommes enfants de Dieu. That we are children of God. C'est pas le jeu. It is not a joke. C'est pas pour nous consoler. It's not to console us. C'est une vérité fondamentale. It is a fundamental truth. Que Dieu nous a prédestinés. That God predestined us. À être ses enfants. To be his children. Il ne nous a pas prédestinés à être des gens sauvés. He did not predestine us to be who are saved. Sauvés seulement. Only saved. Ou bien guéris seulement. Only healed. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Par Jésus-Christ. He predestined us to be his adopted children. Par le sang que Jésus a versé. Through the blood that Jesus shed. Des enfants d'adoption. Children of adoption. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Peut-être tu ne sais pas ce que ça veut dire. Maybe you don't know what it means. Ça veut dire que tu es héritier. It means that you are an heir. Ton nom dans la liste des gens qui doivent se partager l'héritage de Dieu là. Ton nom est dedans. Your name is in the list. Your name is in the list of those who have to share God's inheritance. Your name is there. Continue. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Écoutez. Listen. Vous savez pourquoi les démons ne discutent plus maintenant? Do you know why demons are no longer arguing now? Les démons savent que nous sommes rachetés. Demons know that we are redeemed. C'est toi qui peux l'ignorer. You are the one who can ignore it. Racheté. Redeemed. La rédemption est une doctrine claire. Redemption is a clear doctrine. Nous nous sommes vendus. Écoutez ça très bien. We sold ourselves away. Chaque péché, every sin, fait de toi l'esclave du diable. Makes of you a slave of the devil. Et quand tu ajoutes à cela les péchés de tes parents, and when you add to it the sins of your parents, ce que l'apôtre Pierre appelle les idolâtries criminelles, what the apostle Peter calls criminal idolatry, tu as tes péchés, you have your sins, et il y a les idolâtries criminelles de tes parents, and then there is the criminal idolatry of your parents, et tout cela t'apporte des sérieux problèmes, and all of that brings you serious problems, et à la fin il y a le lac de feu, and then at the end there is a lake of fire. Jésus-Christ, Jesus Christ, verse son sang, shed his blood. L'apôtre Pierre appelle ça son sang précieux. The apostle Peter calls it his precious blood. Jésus n'a pas commis, Jésus n'a commis aucun péché. Jesus committed no sin. Si tu cherches sur la terre, if you seek on the earth, un homme, a man, qui a un sang pur, who has a pure blood, tu ne trouveras aucun. You will find no one. Donc les gens bavardent là, personne ne peut t'aider devant la justice de Dieu. The people are speaking all over, no one can help you before God's judgment. Mais Jésus lui, il peut. But Jesus can. Il a vécu en tant que Jésus homme sans péché. He lived as Jesus, the man without sin. La preuve est que pour trouver une accusation contre Jésus, les gens ont passé une demi-nuit. The proof is that to find an accusation against Jesus, they had to go through half a night. Est-ce que vous me suivez très bien? Are you getting me clearly? Nous allons le tuer. Qu'est-ce qu'on doit dire? Il a fait quoi?
We are going to kill him. What are we going to say that he has done? Le doigt, il raconte une histoire, ça ne tient pas. Lève la main, il raconte une histoire, ça ne tient pas. Someone raises his hand, places an accusation. It does not hold. Another person with another accusation. It does not hold. Finalement, c'est parce qu'il a dit la vérité qu'ils ont trouvé un moyen pour le tuer. Il dit, je suis fils de Dieu. It's because he said the truth finally that they found a way to kill him. He said, I am the son of God. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Cela ne dépend pas de tes parents. It does not depend on your parents. Cela ne dépend même pas de toi-même. It does not even depend on you. C'est pour cette raison que l'élection est placée avant la prédestination et la rédemption. That is why the election is placed before the predestination and the redemption. Dieu a décidé. God decided. Il y aura d'autres personnes sauvées dans ta famille, mais il a commencé par toi. The other people will be saved in your family, but he started with you. Hallelujah. Tu es élu, mon ami. You are an elect, my friend. Quand il y a des élections là. When there are elections. Quand on dit quelqu'un est député, il crie, les gens crient dans les rues. Tu dois crier plus que ça. They say someone is a member of parliament. Hallelujah. And they shout on the streets. Tu es élu. You are elect. Tu es élu. You are an elect. Tu es élu. You are an elect. Hallelujah. 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 Dis, je proclame. I proclaim que je suis élu, élu, I am an elect, élu. I am an elect, I am an elect. Élu, élu, élu. I am an elect. Tu es élu. You are an elect. Ton nom est sur la liste. Your name is on the list. Hallelujah. Hallelujah. Et quand Jésus a versé le sang, and when Jesus shed his blood, il t'a racheté. He redeemed you. Personne ne peut te réclamer. No one can lay a claim over you. Personne. No one. Si vous avez remarqué, tout ce que le diable veut faire, c'est de garder un peu de tes biens. Il ne peut pas te toucher. All you, if you notice, all what the devil wants to do is to keep your belongings. He cannot touch you. Nous avons dansé là. We have danced. Si l'armée de Satan pouvait venir la nuit tordre nos coups, s'ils sont vraiment puissants, if the army of Satan is really strong, nous sommes réjouis qu'ils viennent nous tordre les coups. They would have come and then twisted our necks. Il est écrit, ne touchez pas à mes oints. It is written, touch not my anointed. Ne faites pas de mal à mes prophètes. And do no harm to my prophets. Personne ne peut te toucher. Nobody can touch you. Alléluia. Alléluia. Le diable a dit à Dieu, mais tu protèges Job. The devil told God, but you are protecting Job. C'est un témoignage qui vient de l'adversaire. It is a testimony that is coming from the adversary. Le diable dit à Dieu, c'est ta main est sur lui. The devil told God, your hand is upon him. J'aime ce passage-là. I love that passage. Frère, la main de Dieu est sur toi. Brother, the hand of God is upon you. Ne crains rien. Fear nothing. Même les adversaires. Even your enemies. Ils peuvent bavarder, mais ils savent que la main de Dieu est sur toi. They can speak, but they know that the hand of God is upon you. Et il dit qu'il nous a pardonné. And he says he has forgiven us. Ça, il faut croire à ça. Just believe that. Et dès lors. From then. Ne garde pas une culpabilité inutile. Do not keep a useless guilt. Dieu t'a pardonné. God has forgiven you. Au niveau humain, at a human level, vous êtes témoins. You are witnesses. Que nous nous sommes humiliés dans cette salle. That we humbled ourselves dites, in this hall. Oh Père, pardonne-nous. And we said, Lord, forgive us. Nous t'avons abandonné. We abandoned you. L'apôtre Jean dit. The apostle John says. Dieu est fidèle. God is faithful. Il est juste. And is just. Si nous lui confessons un péché. If we confess a sin to him. Il nous pardonne. He forgives us. Et il nous purifie. And he purifies us. Et il dit aux frères. And he tells the brethren. Petits enfants. Little children. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. I write these things to you so that you don't sin. Il dit mais si quelqu'un a péché. But if someone has sinned. Nous avons auprès du Père. We have by the Father. Un avocat. An advocate, Jésus Christ, Jesus Christ, le juste, the righteous one. Que le diable ne te trompe pas. Let the devil not deceive. Tu n'es pas digne, ne prie pas.
That you are not worthy, don't pray. Dis-lui que Satan, tu es un menteur. Tell him, Satan, you are a liar. Si tu es un accusateur affaibli. You are the weakened. Tu es accuser. Un accusateur affaibli. You are the weakened accuser. Un accusateur vaincu. Parce que tu peux avoir un accusateur puissant, mais lui, il est un accusateur vaincu. Jésus a fermé sa bouche. Jesus has closed his mouth. Acclamons pour Jésus Christ. Let's clap for Jesus. Alléluia. Continue. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait fermé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Let's clap. Alléluia. Alléluia. Ces vérités doivent te remplir de joie et d'assurance. This truth should fill you with joy and assurance. Donc, quand nous prions là, l'évangile est logique. Il y a une logique dans l'évangile. When we pray, you see that there is a logic in the gospel. Pour les gens qui aiment le raisonnement, l'évangile est cohérent. For those who like reasoning, the gospel is coherent. Dit que tu es héritier. Says that you are an heir. Et ça veut dire beaucoup de choses. And it means so much. Tu es héritier. You are an heir. Au ciel. In heaven. Tu vas t'asseoir avec Jésus. You will sit with Jesus. Sur la terre ici. Here on earth. Les dons de Dieu. The gifts of God. À commencer par le Saint-Esprit. Beginning with the Holy Spirit. Sont pour toi. Are for you. Et quand on va prier, prie avec l'esprit, prie avec l'intelligence. When we pray, pray with the spirit, pray with knowledge. Ne prie pas comme quelqu'un qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Don't pray as someone who is not filled with the Holy Spirit. Ne prie pas avec frayeur. Don't pray with fright. Il est dit que nous avons reçu un esprit de force et de sagesse. He says that we have received the spirit of strength and wisdom. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dis, je proclame. So I proclaim. Que je suis héritier de Dieu. That I'm an heir of God. Héritier de Dieu. An heir of God. Continue. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Alléluia. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Vous écoutez, quelqu'un qui a peu de puissance. Someone who has a little power. Mais il a gardé la parole. But he has kept the word. Il n'a pas renié Jésus. And he has not rejected Jesus. Donc, c'est ça que Dieu appelle la faiblesse. That is what God calls weakness. Quand c'est comme ça, il vient à ton secours. When it's like that, he comes to your rescue. Tu n'as pas la force. You don't have the strength. Mais tu gardes sa parole. But you keep his word. Et tu gardes son témoignage. And you keep his testimony. C'est différent de quelqu'un qui est là, il se querelle partout, il dit c'est ma faiblesse là qui me dérange. It is different from somebody who is there and he quarrels everywhere and he says that's my weakness that is disturbing me. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? C'est pour cette raison qu'il dit ne vous y trompez pas. That is why he said do not be deceived. Ni les adultères, ni les débauchés, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les efféminés, les ravisseurs hériteront le royaume de Dieu. Neither the adulterers nor the homosexuals will inherit the kingdom of God.
Tu as peu de puissance. You have little mais power. Tu es resté fidèle. But you are faithful. Je veux ouvrir devant toi une porte que personne ne peut fermer. I will open before you a door that no one can close. Donc, si tu es infidèle, so if you are unfaithful, attention. Be careful. Donc, nous allons nous tenir debout. So we are going to stand. Il y a des promesses de Dieu. There are promises of God. Qu'il faut prophétiser sur la sur nos vies. That we should prophesy upon our lives. Il y a des promesses de Dieu. There are promises of God. Qu'il faut proclamer dans nos vies. That we must proclaim upon our lives. Un exemple. An example. Un exemple. Lis par exemple Esaïe 48, verset 21. Read for us Isaiah 48, verse 21. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Amen. Ça, c'est une promesse prophétique. This is a prophetic promise. Ils n'auront pas soif dans les déserts. They will not be thirsty in the desert. Et il va faire sortir l'eau là-bas. Les rochers vont faire sortir l'eau, ils vont boire. And you make the rocks to produce water that they will drink. Nous allons demander que les déserts soient fertiles. I'm going to ask that the desert should be fertile. Supposons que tu es dans une entreprise malade. Just let's take for example that you are in a company that is sick. Qui menace même de fermer les portes. With the threats of closure. Faire couler l'eau du désert veut dire que Dieu peut te bénir de là. Making water to come out from the desert means that God can bless you from there. Est-ce que vous me suivez? Tu es si ton champ est sur un sol qui n'est pas fertile. If your farm is on a soil that is not fertile, nous allons ordonner que les terres soient fertiles. We are going to command and that soil will be fertile. On dit que les trompes des femmes sont bouchées. Say that the ça, ce n'est pas au nom de Jésus. Ça, c'est pour dire que les trompes s'ouvrent. Say that the wombs of women are closed. Que les femmes conçoivent. We just command that they should be open so that women qu'elles can conceive. La joie de porter une grossesse. That they should have the joy of carrying a pregnancy. Tu te concentres, tu prophétises. You concentrate and you prophesy. Que ceux qui sont dans des forêts sans chemin, que le chemin soit frayé maintenant même. That those who are in the forest without the way, that the way should be open before que leur them. Marche soit légère. And that their way should be light. Tu prophétises que les ennemis soient confus. And you prophesy that the enemy should be confused. Qu'ils s'égarent. And may they get lost. Qu'ils se dispersent. And may they be dispersed. Que leurs armes se brisent. And their weapons be broken. Tu es l'esprit de Jésus est avec toi. The spirit of Jesus is with you. Tu peux créer au nom de Jésus. You can create in the name of Jesus. Tout ce que Dieu nous demande, all that God asks from us, c'est de faire tout cela pour sa gloire. Is to do all of that for his glory. Tu te concentres. Concentrate. Tu dis Père. And say Father. Que le poids des dettes s'écroule. May the weight of debts crush down. Que les captifs soient libérés. And may captives be set free. Quand c'est comme ça, même si c'est un milliard de dettes, tu vas tout payer. When it's like that, even if it's a billion francs of debts, you pay it all. Ou bien tu auras des lettres de ton créancier que c'est fini, de remise totale. Or you have a letter. Il est en train de demander pardon d'accepter. Or you have a letter from your creditor saying that it's over, even begging you to accept. En te donnant même peut-être un cadeau parce que tu as accepté. And then even giving you a gift because you accept it. Qui croit que c'est possible? Who believes that it's possible? C'est ça qu'on doit faire ce soir. That is what we have to do this evening.
Tu libères les fiançailles, le genre qui réjouissent les familles et l'église. You liberate engagements, the kinds that rejoices the hearts of families. Parce que certaines fiançailles sont tawa, 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 tawa. On rompt le matin, on renoue le soir. On rompt le soir, on renoue le matin. C'est, tout le monde est fatigué. Because there are some courtships that are just a type. You break it in the morning and then in the evening they come back. So everybody is just tired. Il y a certaines fiançailles, tu sens que c'est fort, sûr. There are some engagements that you feel that it is strong and sure. C'est ce que nous allons obtenir ce soir. That's what we obtain tonight. Tu demandes que la faveur et la grâce de Dieu accompagnent chaque saint. You ask that the favor and the grace of God accompanies each saint. Le genre que s'il entre dans un endroit public. So that when he gets into a public place. Les gens viennent nombreux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oh, people just, va, people just come in their numbers and say, oh, what can we do for you? Are you okay? Ce qu'on appelle le rejet fini. That which is called rejection is over. Certains patrons vont regretter de t'avoir retardé dans ta carrière. Some bosses will regret having retarded you in your career. Commence à prier comme ça. N'attends pas qu'on dirige. Just start praying like that. Don't wait to be led. Qu'il y ait de l'eau dans le désert. Qu'il y ait de l'eau dans le désert. Que les trompes s'ouvrent. Dis Seigneur. C'est l'ordre. Béni soit ton peuple. May your people be blessed. Ton œuvre est merveilleuse. Your works are wonderful. Ton œuvre est parfaite. Your work is perfect. Dis Seigneur. The Lord. Ceux que tu as élus sont bénis. Those who you have elected are blessed. Ceux que tu as prédestinés d'être des enfants d'adoption sont bénis. Those who you predestined to be children of adoption are blessed. Oh, béni soit l'élection de l'Éternel. May the election of the Lord be blessed. Béni soit l'adoption de l'Éternel. May the adoption of the Lord be blessed. Dis Seigneur. The Lord. Que tes enfants soient placés chacun à son lieu élevé. May your children be placed, each and every one of them, in their high places. Qu'ils ne soient jamais rabaissés. May they never be brought down. Que leur pas s'affermisse dans la justice. May their way be strengthened in righteousness. Dis Seigneur. C'est Lord. Que ta grâce. May your grace. Et ta faveur. And your favor. Les précèdent dans tout lieu. Go before them everywhere. Dis Seigneur. C'est Lord. Ta grâce et ta faveur. Your grace and your favor. Ta grâce et ta faveur. Your grace and your favor. Oh, ta grâce et ta faveur. Oh, your grace and your favor. Que ta grâce et ta faveur soient leur richesse. May your grace and favor be their riches. Que des portes s'ouvrent devant eux. May doors open before them. Que les hommes viennent à leur service. May men come to their service. Dis Seigneur. C'est Lord. Que tes enfants soient délivrés des dettes. May your children be delivered from debts. Du fardeau des dettes. From the burden of debts. Affranchis-les. Free them. Comme on a franchi les captifs. As captives are set free. Et dépose des trésors dans leurs mains. And put treasures in their hands. Qu'ils ne soient point des mendiants. And may them never be any beggars. Du peuple du Seigneur. The people of God. Que les richesses descendent dans vos mains. May riches come down upon your hands. Et que les richesses entrent dans vos demeures. May riches come into your dwelling. Vous êtes bénis de l'Éternel. You are blessed of the Lord. Lui qui vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. He has blessed you with all sorts of spiritual blessings. Dans les lieux célestes. In the heavenly places.
Lui qui a dit, the one who said, invoque-moi au jour de la détresse, then call on me the day of trouble, je te délivrerai, and I'll deliver you, et tu me glorifieras, and you glorify me. Dis, Père, say, Father, que leur cri monte vers toi, may their cry go up to you, que leur cri parvienne à tes oreilles, may their cry come to your ears. Car for celui dont tu entends les cris est béni. The one that you hear his cry is blessed. Tu es le Dieu qui exauce. You are the God who answers. Tu es le Dieu qui a compassion. You are the God who has compassion. Tu es le Dieu de miséricorde. You are the God of mercy. Dis, Père, say, Father, que tes enfants soient guéris. May your children be healed. Qu'ils soient guéris. May they be healed. Que la guérison entre chez eux. May healing get into their homes. Qu'elle habite avec chacun. May it live with each of them. Qu'elle environne chacun. May it go around all of them. Qu'il y ait des guérisons inédites. May there be unusual healings. Traite-les comme tu traites ceux qui t'appartiennent. Treat them as you treat those who belong to you. Père, Father, délivre-les des frayeurs. Deliver them from fright. Que ton nom soit proclamé sur chacun. May your name be proclaimed on each one. Que ton nom soit proclamé sur chacun. May your name be proclaimed on each one. Que ton nom soit proclamé sur chacun. May your name be proclaimed on each one. Dis, Père, say, Father, éloigne chacun du désespoir. Take everyone far from hopelessness. Que le doute ne triomphe pas. May doubt not triumph. Affermis leurs sentiments. Strengthen their sentiments. Oh Père. Oh Father. Que tes enfants voient ta gloire. May your children see your glory. Que tes enfants voient ta gloire. May your children see your glory. Tu as dit toi-même. You yourself said. Que ta gloire remplira la terre. That your glory will fill the earth. Que tes enfants voient ta gloire. May your children see your glory. Père. Father. Que ta main soit sur chacun. May your hand be upon each one. Dis, la main de l'Éternel. May the hand of the Lord. Sur l'ouvrage de ses mains. On the works of his hands. Quel bonheur. May happiness. Quelle joie. May joy. Dis, ils sont forts. Say they are strong. Ils sont fermes. That they are firm. Ceux qui espèrent au Seigneur Jésus. Those who hope in the Lord Jesus. Prions en langue. Let's pray in tongues. Du peuple du Seigneur, the people of the Lord, que tes ennemis reculent, may your enemies withdraw, qu'ils tombent, may they fall, qu'ils ne se relèvent plus, and never get up. Continue à prier en langue. Continue to pray in tongues. Du peuple du Seigneur, the people of the Lord, que toute arme, may every weapon, forgée contre toi, fashioned against you, soit brisée, be broken, aujourd'hui, today, et dans les jours à venir, and in the days to come, jusqu'au retour de Christ, until Christ comes back, tout rassemblement d'hommes, every assembly of men, tout rassemblement d'esprits, every assembly of spirits, contre toi, peuple du Seigneur, against you, people of the Lord, sera toujours dispersé, will always be dispersé, will always be dispersed, dispersé, dispersed, dispersé, dispersed, dispersé, dispersed. Du peuple du Seigneur, the people of the Lord, que tout ton butin, may all the spoils, soit caché sous le sang de Jésus. Be hidden in the blood of Jesus. Qu'aucun voleur, that no thief, ne vienne dérober ce que tu as acquis par ton épée. Who come to steal that which you have acquired? Ce que tu as acquis par l'épée. Which you have acquired by the sword. Dans les batailles. By the battles. Au front. At the war front. Mené par Jésus. Led by Jesus. Que tout ton butin, may all your plunder, tout ce que tu as acquis dans tes guerres, all that you have won in battles, vienne à l'existence dans ta vie. Come into existence in your life. Vienne à l'existence dans ta vie. Come into existence in your life. Vienne à l'existence dans ta vie. Come into existence in your life. Continue à prier. Continue to pray.
Nous proclamons que le témoignage de ceux qui appartiennent à Jésus attirera beaucoup d'âmes. Will bring many souls. Le témoignage de ceux qui invoquent Jésus convertira beaucoup d'âmes. Will convert many souls. Convertira beaucoup d'âmes. Will convert many souls. Les portes des familles s'ouvrent. May the doors of families be open. Et se soumettent à la lumière de l'Évangile. And may they be submitted to the gospel. Et se soumettent à la lumière de l'Évangile. And may they be submitted to the light of the gospel. Les portes des villages s'ouvrent. May the doors of villages be open. Les portes des tribus s'ouvrent. The doors of tribes be open. Les portes des groupes ethniques s'ouvrent. May the doors of ethnic groups be open. L'évangile de Jésus-Christ. For the gospel of Jesus to enter. Il prospère. To prosper and prosper and prosper. L'évangile, l'œuvre de tes enfants. The works of your children. Prospère. Dans la nation. In the nation. Et au-delà de la nation. And beyond the nation. Au-delà de la nation. And beyond the nation. Au-delà de la nation. Beyond the nation. Continue à prier. Continue to pray. Assieds-toi, tu gardes le silence. Sit down and be quiet. Qui a quelque chose à dire? Who has something to say? Oui, viens. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Roselyne, disciple du pasteur Thiadé. Lorsque nous étions en train de prier, Dieu m'a ouvert les yeux et j'ai vu la présence de cet homme, Jésus-Christ, avec une troupe d'anges ici. Et dès qu'il est descendu, il y a un individu qui est sorti en flèche. Il allait s'arrêter au portail. Il a ouvert un bâton et il faisait ça. Vous autres, sortez. Et les esprits ont commencé à sortir des gens. Je voyais les chaises voler en éclats. Jésus-Christ. D'autres même partaient et revenaient. J'étais des objets qu'ils avaient pris. Ils revenaient, j'étais. Et lui, il est pressé, sortons. Et quand ils sont sortis, il a rabattu le portail tout doucement. Et ils sont partis. Et les anges qui étaient ici, ils sont descendus dans l'assemblée. Et ils ont commencé à relever les corps qui étaient tombés en enlevant les chaînes, tout ce qui était sur eux. Ils ont commencé à enlever les chaînes. Le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il m'a montré une autre vision où les anges m'ont conduit dans une usine. Et quand je suis arrivée, j'étais tout épatée. De l'or. Il dit oui. C'est avec ce matériau-là qu'on construit les maisons de tous ceux qui sont à nous. Donc dis à tes frères qui sont à nous, voici les éléments avec lesquels on construit. Donc je veux vraiment rendre gloire à Dieu parce que nous savons désormais que nous avons place au ciel. Ne craignons pas. Jésus est avec nous. Que la gloire nous revienne. Amen. Si tu es attentif, if you're attentive, tu peux discerner que nous sommes en train de combattre et d'apprendre en même temps. You would realize that we are fighting and we are learning at the same time. Et l'exhortation que la sœur vient de donner est très importante. And the exhortation that our sister just gave is very important. Quand le Seigneur nous dit ce qu'il nous a donné, when the Lord tells us what he has given us, il faut récupérer. We should gather it. Je vous ai dit que hier ou bien avant-hier, j'ai recevé que le butin, parce que quand l'ennemi est battu, les esprits viennent jeter les choses, ils s'en vont. Mais ça traîne dans l'invisible. Les frères n'ont pas ramassé. I received that the plunder is still lying down. And you know when the enemy is defeated, he throws down things. And the brethren have not yet taken them up.
Je méditais sur le butin hier. I was meditating on the plunder, the spoils yesterday. Donc c'est une autre dimension de la prière qui m'a été révélée. It is another dimension of prayer that was revealed to me. On devient riche par le butin. You become rich by the plunder. Quand David frappait l'ennemi, when David struck the enemy, il prend le butin. He took the spoils. Et il devient riche au fur et à mesure qu'il gagne les combats. And then he became richer as he won battles. Il faut qu'il y ait des choses dans la vie des frères, les choses spirituelles et matérielles, comme le résultat de chaque croisade. There should be things in the lives of brethren, both spiritual and material things, which are a result of the crusade. Alléluia. Alléluia. Certains d'entre nous auront l'intelligence. Some of us will have the intelligence pour entreprendre. To build up things. C'est-à-dire qu'au niveau invisible, c'est des valises. Mais au niveau physique, c'est une capacité qui va amener les valises à l'existence. At the spiritual level, there are briefcases. But at the physical level, it's a capacity that will bring these briefcases to existence. Et Dieu agit à San Pedro, le frère dit que ils sont bénis. God is at work in San Pedro, the brethren say that they are blessed. Il dit que le nombre des gens qui ne venaient pas à la prière depuis ils sont là. He said people who did not used to come for the prayer meetings, they are coming now, they are there. Et ils suivent le même programme, ils suivent un jour après. And they are following the same program, they follow it one day later. Aujourd'hui, ils travaillent sur le bulletin d'hier. Today they are working on the bulletin of yesterday. À Boaké, on dit que les frères sont bénis. À Zopé. In Boaké, say the brethren are blessed in Azopé. Donc, nous sommes en train de faire quelque chose que Dieu aime. We are doing something that God loves. Le diable pensait que les familles là sont à lui. The devil thought that the families were for him, that they had been abandoned to him. Mais les enfants de Dieu sont en train de réclamer la promesse de Dieu. But the children of God are holding to the promises of God. Il a dit, crois au Seigneur Jésus. He said, believe in the Lord Jesus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. And you'll be saved, you and your family. On ne laisse aucun membre. We are not leaving any member away. Tous doivent venir adorer avec nous. All must come and worship with us. Alléluia. Alléluia. Continue à prier pour des maladies incurables demain et après-demain. Continue to pray for incurable sicknesses, illnesses tomorrow and the day after tomorrow. En priant, while praying, insiste sur le fait que les frères doivent recevoir la guérison. Insist on the fact that brethren must receive the healing. Le problème n'est pas au niveau de la guérison divine. The problem is not at the level of divine healing. C'est au niveau de la capacité humaine de la prendre et la garder. It's at the level of the human capacity to take it and keep it. Alléluia. Alléluia. Certains disent seulement ma maladie là. Ça dit pour eux c'est leur maladie. Some just say, well, that my sickness. For them, it is their sickness. Même le langage est déjà corrompu. Even their language is already corrupt. Donc, so, priez que les cœurs reçoivent la guérison. Pray that hearts will receive healing. Quelqu'un qui a le VIH SIDA, par exemple, doit croire qu'il est guéri. Somebody who has HIV/AIDS must believe that he's healed. Il n'y a pas un autre moyen, c'est la foi. There's no other way, it is faith. Et tu vas quelque part, tu fais le test. You go somewhere and you carry out the test. Tu vois, personne ne dit amen.
Somebody say amen. Ne rétrogradons pas. Notre foi là, Dieu nous a déjà accordé beaucoup de grâce. Let's not backslide. Our faith, God has already granted us so much grace. Gardons ce niveau là et puis grandissons. Let us keep that level and then we grow. Que le Seigneur t'accompagne. May the Lord go with you. Que tous ceux qui vont te bénir soient bénis. May all those who bless you be blessed. Que tous ceux qui te font du bien soient bénis. May all those who do good to you be blessed. Que ceux qui veulent s'opposer à toi rencontrent la main de celui qui a créé le ciel et la terre. May all those who want to oppose you meet the hand of those who created the heaven and the earth. Amen. Amen.